financé par l'ambassade du Japon et réalisé par la coordination régionale des organisations artisanales du Nord, KTN, les quatre forages positifs et les quatre jardins nutritifs de Dabla, Boussoum, Sorgho Siliomossi et Gouroubari dans la commune de Oula. Le maire de Oula, Sidi Madi Sawadogo, a reçu des mains du président du KTN, Adama Ouédraogo, les clés de forage et des jardins nutritifs au profit des quatre villages respectifs. Vraiment, c'est un message de joie, de très grande joie, parce que KTN a vu juste, c'est là où vraiment on a tous les mille problèmes, à savoir que dans les écoles, doter les écoles de points d'eau. Et je crois que KTN, en nous donnant ces quatre forages, ces quatre jardins nutritifs, va contribuer en tout cas à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Parce que nous n'aurons plus à faire des distances pour avoir de l'eau. Nous allons améliorer notre cantine. C'est dire encore une fois merci à KTN. Les directeurs des écoles impactées, ainsi que les habitants des quatre villages, ont témoigné leur gratitude à l'ambassade du Japon, KTN et le maire pour la réalisation du projet. Invite est faite par le maire à la population à aider les enseignants pour la gestion des forages et des jardins. Et demander à la population d'aider les enseignants, d'aider les élèves à bien entretenir ces infrastructures. Ces infrastructures nous coûtent énormément cher. Donc merci bien, merci à KTN, merci à la population, en tout cas qui, je suis sûr, va contribuer en tout cas à l'entretien de ces ouvrages. Merci bien. Thank you.